Bonjour, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait la main toute rouge. Le maître de midi était en noir et blanc et avait 2 pouces. Alors on a appris que pour mercredi, eh bien, il va se déguiser en Céline Dion, parce que comme il a dépassé les 300 000 euros. Donc, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il joue le jeu. Donc, par rapport à certains autres maîtres de midi. Mais bon, franchement, je trouve qu'il faut avoir des coronesses pour oser se déguiser comme ça devant plusieurs millions de téléspectateurs. J'ai reçu un message tout à l'heure du groupe Léopard qui m'a dit que le ridicule ne tue pas. Mais attendez, vous ne l'avez toujours pas vu. Donc, bonne petite pensée, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film Le Marsi Pupilami, où on pouvait voir Lambert Wilson qui chantait habillé en Céline Dion. Donc c'était dans le film Le Marsupilami. Allez, au coup d'envoi, la première question, selon l'expression que met-on de son vin quand on modère ses exigences. Donc bien sûr, c'était de l'eau. Après, vous aviez le sympathique Cédric qui était venu avec sa sœur. Bonjour sa sœur, parce que bon, il n'y a pas son prénom. Donc voilà. Alors sa question à propos de quelle actrice Iris Mittain a-t-elle dit, je pense qu'on est de la même famille depuis que j'ai 17 ans. On me dit que je lui ressemble, donc c'était Terry Hatcher. Après, vous aviez la jolie Inès qui a chanté une reprise de Let It Be, mais façon R&B, parce qu'on n'a pas vraiment reconnu la chanson après, mais bon, c'était son truc. Donc bon, moi j'ai trouvé qu'elle avait une jolie voix, comme on dit, comme disait aussi Olivier Besancenot, elle avait un joli timbre de voix. Qu'est-ce que les drôles de passants. Quel compositeur a été le plus samplé par GZ, Eminem, IAM, MC Solar ou encore 50 Cent? Donc bien sûr, c'était 50 Cent, Ed Sheeran, pardon. Après, vous aviez la très sympathique Karine, qui était toute tatouée, mais bon, elle n'a pas trop parlé de ses tatouages. Elle était venue avec toute la famille, bonjour à la famille de Karine. Donc elle était venue, parce qu'elle a une entreprise où elle fait des trucs, j'ai pas trop compris, donc c'est des petits sacs, etc. Comment on dit, c'était quoi, je sais pas, du sopalin, je sais pas, j'ai pas trop bien compris, du sopalin relavable. Donc bon, voilà, elle a offert un masque des 12 coups de midi à Jean-Luc Reichmann. Par contre, bon, Jean-Luc Reichmann n'a pas fait de pub pour sa boîte. Alors, lorsque deux enfants disent